Ok les amis, donc juste avant cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire passer. Donc toutes les 2 semaines, chaque mercredi à 19h, il y a un tirage au sort. Il y a 50 000 crédits à gagner pour participer. C'est aussi simple que ça. T'as juste à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et commenter. Je participe. Et donc voilà, tu participes et tu comptes comme participant. Allez sur ce, bonne vidéo. Mais pourquoi c'est moi le fond vert? Mais c'est n'importe quoi. Eh bien, salut tout le monde, ZemusBov13. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat-revente. Donc on se retrouve pour la tech UCL. Donc je vous l'ai déjà présentée sous le nom de la tech LDC. Mais bon, apparemment, il y a eu des changements. Donc on va changer le nom, on va l'appeler tech UCL, parce que les joueurs s'appellent UCL. Donc je suis désolé pour ma tête, donc je suis en mode skin Galaxy. Allez savoir pourquoi, genre c'est censé être derrière qui est en Galaxy. Et moi normal, mais il y a eu un problème, donc je pense qu'on va enlever le mode fond vert. Parce que regardez, si j'enlève mon t-shirt, regardez ce qui se passe, je suis en galaxie. Donc en fait, je suis totalement, regardez, je suis totalement en skin galaxie, c'est juste n'importe quoi. Donc on va enlever le fond vert, parce qu'en fait c'est problématique, parce qu'il n'y a pas ma tête, même si on s'en fout. Ok, donc c'est bon, là on est tout bon, on est tout neuf. Donc alors parmi ces ventes là vous voyez c'est ça les cartes UCL, c'est les cartes bleues. Donc parmi ces ventes là on a des ventes en cartes UCL low cost et d'autres en tech avion. Donc tout simplement de la tech avion sur les cartes UCL. Donc là on a tech avion, tech avion, tech avion, tech avion. Là on a quelques joueurs en low cost, low cost, low cost, tech avion, low cost, les Jacabi. On a Coquelin. Et encore Jacali, il va savoir pourquoi j'en ai beaucoup. Munir, Jawara, Vermaelen, Cornet, Cornet. Et Marcos Llorente et Jawara, il va savoir pourquoi j'ai des Jawara, surtout qu'ils sont pas dans la liste, donc c'est pas grave. Donc ils sont en low cost. Donc on va racheter Batshuayi. On va racheter. Donc on va déjà se racheter Batshuayi. Je vais vous expliquer la tech. Donc la tech, déjà, c'est acheter des joueurs de la liste qui est actuellement sur mon Twitter et sur mon Snapchat. Donc je vous invite à aller la voir ou sur Snap, vous screenez, ou sur Twitter, vous retweetez, ça ferait super plaisir, bien évidemment. Et voilà, bon, ce qu'on on s'en fout. Donc vous prenez les joueurs de cette liste. De toute façon, il y en a beaucoup dans la liste, il y en a plus que 100, donc vous prenez les joueurs que vous voulez. Donc les joueurs entre 1000 crédits et 3000 crédits, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister entre 1000 crédits et 1200 crédits plus cher. Et les joueurs entre 3000 crédits et 6000 crédits, vous allez relister 1500 crédits plus cher. Et il va falloir regarder leur courbe pour voir s'ils ne sont pas trop en hausse. Parce que quoi qu'il en soit, les joueurs Ligue des Champions sont quasiment tout le temps en hausse. Mais il faut les acheter lorsqu'ils sont en hausse, genre de maximum 500 crédits. Parce que après, ça commence à devenir un peu risqué. Mais voilà, donc là, on va s'acheter Batshuayi. Donc Batshuayi à 6700. Donc on en a avec un style, pas de forme, c'est pas grave, on va l'acheter. En fait, le truc, lorsque vous achetez là, c'est la tech UCL low cost, hein, je tiens à préciser. Lorsque vous les achetez, ce que vous regardez comme critère, c'est qu'il est juste 99 de forme et 7 de contrat. C'est tout. En fait, c'est un joueur paquet, en fait. 99 de forme, 7 de contrat, c'est lorsque le joueur est paquet qu'il a ses conditions. Vous allez juste avoir ça et vous le revendez entre 1000 et 1200 plus cher s'il coûte entre 1000 et 3000 crédits. Et 1500 plus cher, ça coûte entre 3000 et 6000 crédits. Aussi simplement que ça. Donc là, Batshuayi, on peut l'acheter avec un style au même prix que les autres joueurs, mais il n'a pas de forme. Donc on va l'acheter, ça part plus vite avec un style, qu'on soit bien d'accord. Mais il n'a pas de forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mon équipe. Et lorsque je vais appliquer la forme d'équipe pour mettre la forme au joueur de mon équipe avec laquelle je joue, ben, il va avoir sa forme, tranquille. Donc pas quoi le casser, vous voyez, je ne le rachète pas. Parce que Paco Alcacer coûte 3400, donc combien il coûte sur la liste? Il coûte 3700. C'est pas intéressant, parce que nous, si on l'achète à 3400, ça veut dire qu'on va le rendre 4600. Donc c'est pas intéressant du tout. Donc on va racheter Tchelemans tranquillement et Mangala. Donc on va regarder un peu si on peut les acheter quasiment au même prix. Donc voilà, Mangala parfait, 2500 crédits, Karma avec un style. Donc si vous pouvez les choper avec un style le même prix que les autres, c'est super, ça part bien plus vite. Mais bien évidemment, il faut qu'il ait 7 de contrat minimum. Donc là, Mangala, il a un style plus 22 de contrat. C'est une pépite. Donc on va aller sur la liste des transferts. On va supprimer les joueurs pour se faire de la place parce qu'elle est trop pleine. Donc Mangala, on peut supprimer. Paco Alcacer, on va supprimer également. Tchelemans, on supprime.
Vous voyez, Paco Alcacer, je peux pas l'acheter, je m'en fous. Je vais pas me dire, ah, oh, il faut absolument que j'achète Paco Alcacer. Non, sur la liste, il y a énormément de joueurs, donc vous avez largement le choix. Si vous pouvez pas acheter un joueur, c'est pas grave, vous achetez un autre joueur que vous n'avez pas sur votre liste. Et voilà, c'est tranquille. Donc, Tielemans, 2000, 2100. Donc, 2100, il y en a beaucoup. On va voir si on peut pas en choper avec un style ou plus de contrats. Donc, non, il n'y a pas ce que je vois. Ah, 10 de contrat. 41 de contrat, donc parfait, on va prendre ce Tielemans et voilà, on va lui appliquer une forme en même temps que Mangala. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que genre s'il y a 5 joueurs ou s'il y en a beaucoup qu'il va falloir appliquer une forme, au pire j'applique, je mets tout dans la même équipe et j'applique une forme d'équipe. Donc là, ce que je vais faire, vu que c'est pour la vidéo, on a Mangala et on a Tielemans. Ce que je vais faire, pardon, pas Mangala, on a Tielemans et on a Batshuayi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mon équipe active. Vous voyez, lorsque vous faites des matchs, pardon, ça utilise de la forme. Donc là, regardez, là, il y a mon équipe active. Je les mets en réserviste. Donc, Batshuayi et Tielemans, on va dans un char récent. Tielemans, Batshuayi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on applique une forme d'équipe. Vu que j'applique une forme d'équipe à mon équipe normalement chaque match, bah là, autant profiter et mettre Batshuayi et Tielemans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reliste aussi simplement que ça en fonction du barème. Donc, Batshuayi 6700 plus 1005, ça nous fait du 8200. Donc on va le lister à 8200 Batshuayi et Tielemans, combien il coûte, comment l'a payé, pardon, 2100. Donc on va le lister à 3300 et ça va partir au bout de quelques heures. Donc ce que vous faites, si vous ne connaissez pas la tech, vous voyez, si vous commencez à débuter la tech, vous avez peur de le faire. Moi je vous comprends, lorsque j'avais commencé les techs, avant j'avais peur. Je sais pas s'il fallait faire confiance ou pas, on a peur de perdre des crédits. Donc si vous avez peur de faire la tech, moi, je peux vous dire qu'un truc, si vous avez peur, vous allez perdre des crédits, la tech, elle va pas marcher. Le truc, c'est que vous voyez, là, dans votre main, il faut que vous portez vos couilles et que vous investissez direct. Par exemple, vous avez peur, vous dites, allez, c'est qu'un jeu, on achète 50 joueurs. Au pire, si ça marche pas, ben c'est pas grave. Au pire, quoi qu'il en soit, on se refera les crédits. Mais là, la tech, elle marche. Donc, ce que vous faites, vous achetez 50 joueurs et vous testez la tech. Moi, j'avais testé la tech avion sur FIFA 13 ou FIFA 12. J'avais acheté un joueur. J'avais perdu des crédits, j'avais déjà Tech Avion, c'est nul. La Tech Avion, c'est l'une des meilleures techs du jeu. Donc la tech, si vous avez peur, achetez 50 joueurs, n'ayez pas peur. Vous achetez 50 joueurs, vous les listez exactement comme je dis. Au pire, si vous n'êtes pas trop serein, vous me demandez sur Snap, sur Twitter, j'y réponds au plus vite. Moi, l'objectif, moi, c'est de vous aider à gagner des crédits. Donc je vous répondrai au plus vite. Si vous avez 1000 questions, je répondrai à vos 1000 questions. Donc si vous avez peur, n'ayez pas peur, investissez tranquillement. Le seul truc qu'il faut bien retenir, c'est lorsqu'il y a des matchs Ligue des Champions, le mardi soir, il y a les DCE LDC, enfin UCL garantie. Donc en fait, les cartes UCL vont énormément baisser. Donc ce que vous faites, si par exemple c'est un mardi, là je vais regarder pour être très précis, vous voyez, faut vraiment être précis, ça serait pas mal. Donc là, les matchs Ligue des Champions sont aux alentours du mardi 6, mercredi 7. Donc le truc, c'est d'arrêter de racheter les joueurs Ligue des Champions à partir du, je dirais, vendredi 2 si vous voulez vraiment pas prendre de risque, ou au pire samedi 3, vous rachetez plus rien. Et lorsqu'il sort les SBC UCL garantie, je vous dirai, suivez-moi sur Twitter, sur Snap, je vous dirai, investissez à bloc, ça sera que du bénéf. Donc petit récapitulatif, vous arrêtez de racheter vos ventes à partir du vendredi 2 ou samedi 3. Ensuite, vous rachetez à partir du mardi ou mercredi, lorsque je vous dirai sur Snap et Twitter. Lorsque vous achetez des joueurs entre 1000 crédits et 3000 crédits, vous relistez entre 1000 et 1200 plus cher. Lorsque vous achetez des joueurs entre 3000 et 6000 crédits, vous relistez 1500 plus cher. Vous relistez vos joueurs toutes les heures. À chaque fois que vous faites des ventes, vous essayez de racheter, au pire, pas le même joueur si vous pouvez pas, mais d'autres joueurs. La liste, il y a beaucoup de joueurs. La liste est sur Snapchat, sur Twitter. Vous pouvez investir H24. Regardez les courbes pour les joueurs entre 3000 crédits et 6000 crédits. Les courbes sont sur Feedbin. Et là, vous êtes au top. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à liker ou quoi. Petite parenthèse, il y a bien évidemment tirage au sort en début de vidéo, comme vous avez pu le voir. Pour participer, vous avez juste à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et mettre en commentaire « je participe ». Donc voilà, il y a 50 000 crédits à gagner, donc c'est pour vous lancer dans l'achat revente. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui me suivent un peu sur mes lives actuellement, je fais l'achat revente sur mes comptes secondaires justement pour vous faire gagner des crédits. Donc tous ceux qui disent fake, blablabla ou quoi que ce soit, c'est pas faux. De toute façon, vous allez voir en live, je fais l'achat revente sur les autres comptes, c'est pas pour faire quoi que ce soit. Les autres comptes, je fais l'achat revente pour vous donner les crédits. Pareil sur Twitter, il y a des tirages au sort
chaque semaine pour gagner des crédits. Donc n'hésitez pas à participer, c'est tout simple. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça ferait super super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Demain, il y aura une technique pour gagner tous ces matchs en clash équipe très facilement comme l'année dernière, donc pour finir top 100 en clash équipe. Donc franchement la tech est très simple, donc si vous jouez en clash équipe, n'hésitez pas à voir la vidéo. Allez, sur ce les amis, ciao tout le monde.